Sandrine Quétier a été remplacée par Iris Mittenaar pour la nouvelle saison de Ninja Warrior diffusée sur TF1. Après son élection de Miss France puis son année de règne en tant que Miss Univers, la jeune femme âgée de 24 ans s'apprête à faire ses premiers pas sur le petit écran aux côtés de Denis Brognard et Christophe Beaugrand. Les tournages de cette nouvelle saison ont déjà eu lieu à Cannes. Et comme en témoignent les récentes confidences de l'animateur de Secret Story, Iris Mittenaar semble avoir réussi ce nouvel exercice. « Elle nous a beaucoup impressionnés », a ainsi confié Christophe Beaugrand dans les colonnes du Parisien. Elle a de l'aisance, de la repartie et une bonne proximité avec le public. Elle a beaucoup travaillé. Elle connaissait par cœur cette fiche, qu'elle avait largement stabilotée. Elle n'est pas arrivée les mains dans la poche, en ne se souciant que de sa robe et de son maquillage. Iris a un vrai projet professionnel, et elle ne veut pas passer à côté de l'opportunité que lui donne TF1. Et Christophe Beaugrand n'est pas le seul animateur à être sous le charme de l'ex-Miss France. L'animateur de Koh Lanta a lui aussi pataví d'éloges concernant Iris Mittenaar. « J'ai été bluffé », a commenté Denis Brognard comme le rapporte Télévision Magazine. Les tournages duraient 5 à 6 heures la nuit parfois par moins 10 degrés mais elle n'a jamais bronché. En tenue légère, elle a parcouru des kilomètres, tout en restant sympa et pimpante. Elle a été d'un professionnalisme alors qu'elle débutait. Je lui tire mon chapeau. Les premiers pas d'Iris Mittenaar en tant qu'animatrice sont donc très attendus par les téléspectateurs. La troisième saison de Ninja Warrior devrait être diffusée prochainement sur TF1. Patience, crédit photo, best image.